Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur plateforme nous. Nos pam, c'est Fabiola Jean-Charles et c'est un plaisir pour nous capables de rentrer la caillou ensemble avec Journal La Voix de l'Amérique. Après-midi, pas oublier like, commenter, partager et surtout inviter un monde entourage ou abonner ensemble avec plateforme si là, puis capable toujours être connecté avec toute bonne information et dernière information. Sinon, on a perdu trop de temps, n'a pas continué. N'a pas commencé, pardon, immédiatement. La nouvelle là, c'est CDAOA, qui c'est Communauté Pays Afrique de l'Ouest. Et bien, je vous dis, il y a un sommet qui était déroulé. Et bien, ils prend une décision pour activer une force militaire, qui est force militaire en attente pour mettre plus pression sur les militaires qui renversé le président Mohamed Bazoum dans le pays Nigeria. Ça, je vous dis, il y a un détail sur le dernier développement. Of the Chief of Defense Staff to activate Bloc Communauté économique et Afrique de l'Ouest, CDAO, passé l'autre jeudi après sommet à Abuja pour activer une force en attente contre junte militaire qui saisit pouvoir dans Niger en fin mois juillet, dans le président élu démocratiquement, Mohamed Bazoum. Responsable CDAO, il a dit qu'il était voulu pour la démocratie rétablie pacifiquement dans le pays, mais toute option était sous table parmi eux, utilisation de la force. Après sommet, chef d'État nigérien Bola Tinubu, dit Communauté économique et Afrique de l'Ouest, paré pour imposer sanctions, interdiction de voyage et puis geler bien tout le monde qui a empêché le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum retourner sous pouvoir dans Niamey. Sous vos pali, Panzouis dans Nigeria a annoncé formation d'un nouveau gouvernement d'après un décret dirigeant régime militaire pays, général Abdou Rahman Tiani, un décret yoté li dans la télévision nationale pays. Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef du gouvernement a signé ce jour un décret portant nomination des membres du gouvernement. Au terme de ce décret sont nommés Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, M. Lamine Zen Ali Mahman. Ministre d'État, ministre de la Défense nationale, général de corps d'armée Salifou Moudi. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire, général de brigade Mohamed Toumba. Pendant ce temps, les États-Unis disent qu'il y a une caisse sautée sur l'état santé président Mohamed Bazoum, d'après déclaration porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Dans toute conversation, secrétaire d'État Anthony Blinken te gagné avec président Bazoum, il était abordé sécurité chef d'État élu nigérien. C'est une raison qui fait secrétaire d'État adjoint par intérim, Victoria Nolan, qui voulait voir M. Bazoum, il était allé dans le pays Afrique de l'Ouest là lundi passé. C'est une question qui continue à provoquer inquiétude la Kaino. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Donc ça sorti dans un pile entité, un pile organisation qui gagne inquiétude pour président et Mohamed Bazoum qui même est nourriture li et ben commencé réduit de semaine après coup d'état ça que junte militaire fait dans pays Niger, une situation que n'a pas suivi pour. Et puis de l'autre côté, de l'autre point dans actualité internationale là, c'est dans Équateur, président Guillermo Lasso décrété un état d'urgence après assassinat candidat à la présidence Fernando Villavicencio dans Quito. Sandra Lemaire gagne détail. Zak violence gangyo kap tracassé Équateur depuis 2 années rivé nan yon niveau grave pays a poko jam constaté après un candidat à la présidence qui est renommé pour parole piment bouc li kon lancé contre Catelio ak responsable corrompu yo mouri pa bal pendant li tap mené campagne nan capitale la Quito. Assassinat Fernando Villavicencio rivé mercredi. Moins que 2 semaines avant une élection présidentielle et spéciale. Monsieur Patap Mene dans sondage, mais assassinat que président Guillermo Lasso suggéré ses travail mafia, te rend plus grave en crise qui la cause des milliers de monde mourir. Ça montre tout gros défi qui prend le devant prochain les deux pays. Este momento, ante la gravedad de los hechos, les moments ça grave et choquant pour Équateur. M'absient 2 décrets, un qui déclarait 3 journées deuil national pour honorer mémoire patriote Fernando Villavicencio Valencia et puis deuxième nan déclaré au état d'exception pour 60 jours. Force Améo pral mobiliser à travers territoire national là pour assurer sécurité citoyenne, la paix dans pays et puis élection libre et démocratique 20 août. Jean Conseil national électoral là te prévoit en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto.
Dans le dernier discours, avant l'été mourir assassiné, Villa Vicencio, 59 ans, te promet Foula qui tape chanter et puis bat bravo pour lui, que l'État pral déchouqué tout corrompu et puis mette volé pays en prison. Bureau ministre Justice Équateur a déclaré qu'il y a un suspect qui mourit dans main la police à cause blessure qu'il a subi pendant un échange coup d'armes après assassinat. La police lancé plusieurs opérations dans différents quartiers Kitoyo et puis arrêté six moun. Via Vicencio t'a dit publiquement qu'il t'a recevoir plusieurs menaces de mort parmi eux bon côté affilié cartel Sinaloa mexicain hein, qui c'est un groupe criminel international organisé cap opéré kounia dans Équateur. Il t'a dit campagne représentait une menace pour groupe Sayo. Famille Via Vicencio m'a dit jeudi pour y remettre bayo cadavre là pour capable planifier funérailles. Gallo Valencia, c'est mon oncle Via Vicencio. Se cumplió todo el procedimiento, todo el protocolo. Les dit nous suivent tout processus à protocole. Ils ont fait autopsie hier soir. Nous recevons autorisation pour transférer les dans le lieu côté où ils ont enterré. Et dans le moment ça, ils ont reçu l'ordre verbal ministre justice PIA pour qu'ils aient un cadavre dans la morgue. Nous ne connaissons pas pour qui ça. Sandra Lemaire pour VOA Creole, Washington. Bien avant nous aller plus loin, mesdames et messieurs, madame Francisco Villa Vicencio déclaré, c'est parce que c'est celle lui-même qui a une capacité avec aptitude pour être capable de camper en face mafia sa yo, qui la cause yo assassiné et ses paroles dans bouche ti. Paroles que te déclaré comme quoi, il d'après combattre tout ça qui gagne à ouais ensemble avec corruption et puis cartel dans Équateur, mesdames et messieurs. C'est une nouvelle qui est assez triste puisque quelques jours seulement avant l'élection, un candidat arrivé perdit la ville, mais quand bien même l'élection a privé, organisé, Jean Sali même te prévoit fête. N'a pas continué ensemble avec Jacqueline Belizère. Merci Sandra Lemaire. L'autre point dans l'actualité, le département de sécurité intérieure des États-Unis a étudié possibilité pour le faire, moun ou ta considéré comme moun qui ta soi-disant sans patrie, qui a vécu dans le pays, a joué un document d'identification qui est capable de légaliser et statuer. Jean-Aubert Philippe Capsule pour nos questions immigration, Capsule, question ça tout. Et dis-nous plus sur le dossier Jean-Aubert Philippe. Effectivement, Jacqueline, son dossier que ce n'est pas seulement les États-Unis qui font confronté avec le problème, ça, mais il y a tout, les Nations Unies sont vraiment comme soulevé depuis longtemps pour le monde qui a patrie, ça, et que le monde parfois peut se payer, même qui est une nationalité, qui n'a pas quitté une nationalité. Mais les États-Unis qui ont problème, ça, devant, parce que d'après l'expérience, ils estiment à plus passer 200 000 étrangers qui n'ont pas pays et qui n'ont pas capable d'identifier tête à un pays quelconque. Mais les États-Unis disent qu'il y a cherché pour un moyen pour intégrer ça dans la société américaine. Like a year. Karina Embartsman Clow is a stateless person living in the United States. I was born in a country. Karina Embartsman Clow qui vit aux États-Unis sans n'y pas gagner un pays, donc apatride, déclaré. Moi, j'ai pris naissance dans un pays qui n'a pas existé encore. Embartsman Clow, c'est une sous environ 218 000 immigrants qui vivent aux États-Unis qui n'a pas gagné citoyenneté aucun pays. Jeudi, le département de sécurité intérieure américain a déclaré l'a mis sous pied une nouvelle procédure pour clarifier qui ça, monde qui pas gain patrie vle dit pour immigration. Il a fait un gros pas en avant le fait qu'il y a pour connaître monde tant que nous-mêmes. Déclaration Embartsman Clow qui dépend naissance dans Odessa en Ukraine en 1988. My parents had me as a mixed ethnic child. I'm half Armenian and half Ukrainian. Par moi, tu m'étais sous terre comme un petit monde ethnique mélangé, moitié arménien et moitié ukrainien. Déjà, c'était un problème. J'étais ciblé papa dans Odessa, Ukraine, à cause d'origine li. Maman m'a fait un avortement dans la ville naissance papa. Après, j'étais battu dans la rue. Famille m'a couru à le Canada avant d'être rentré aux États-Unis en 1996. Côté rejeté, demande asile était fait. Dans le même moment, l'Union soviétique a été effondrée en 1991 et puis l'Ukraine est venue tourner un État indépendant. Famille est allée dans l'ambassade ukrainienne pour réclamer passeport avec l'autre document voyage pour être capable de retourner dans le pays. Et puis tout d'un coup, ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas nous comme un citoyen pays.
Mon apatride qui vit aux États-Unis n'a pas un document légal ou bien une pièce d'identité pour montrer qui moun yo ye et qui côté yo sorti. Même si quelques autres monde tant que Karina Abatsoumian Klo gagne un certificat de naissance invalide, c'est le bagage dans moment moi t'ai gagné pour prouver qui moun moi t'ai. C'était tradition notarié un certificat de naissance soviétique, un pays qui pas d'exister encore. Mais l'autre qui pas de gain rien du tout. À cause ça, yo t'ai gagné difficulté pour joindre travail et jeune côté pour y habiter. So they're left in limbo, but physically inside the United States. Margaret Stock, un avocat immigration, parlait pour dire, donc, il n'y a pas de côté, il garde. Mais physiquement, il vit aux États-Unis et il n'y a pas fait sens pour ne pas jouer une solution sur ce sujet. Ça. À notre département de sécurité à faire, côté le promet pour lui collecter information avec preuve à l'immigration, capable d'utiliser pour aider les gens qui a parti de jeunes documents, tant qu'on y a un cas de vête ou bien un cas de résidence. Margaret Stock finit pour dire, il est facile pour les gens de venir à Patrick. Ni pas clair si nouveau politique états-unien a permis quelques immigrants apatrides de jouer une pièce d'identité gouvernement ou bien autorisation pour travailler légalement dans le pays. Abad Schumann, Claude dit d'y espérer marche à suivre département sécurité intérieure états-unien pour aller des mondes tant que lui-même jouer un pays qui accepte comme citoyen. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Desco, choisi VOA Creole pour informer. Pablé, nous avons deux envois spéciales, Jean-Robert et gentil Augustin Junior avec Valéo, salut. Qui t'ouvre en Australie, n'a pas pour nous prendre contact avec vous. Pita dans le programme, nan, et c'est gros cause côté nous pour jouer compas en Australie, c'est belle bagaille. N'a pas été dans l'actualité à concernant le pays d'Haïti. Ancien sénateur Maurice Jean-Charles a annoncé un mouvement levé campé dans tout le pays pour continuer à exiger départ Premier ministre Ariel Henry. Gérard Maxino, depuis Cap-Haïtien. Secrétaire général, parti politique Petite Dessalines, Maurice Jean-Charles, accusé communauté internationale là. Qui selon lui mettait peuple là en condition pour accepter troupes étrangères rentrer dans pays là. Nous pas opter pour nous battre bravo pour troupes qui viennent dans pays non. Mais mettons en condition pour accepter un troupe. Jusqu'à présent, nous pas opiner parce que nous tout connaît un problème dans pays Kenya. Comme ils viennent, nous ca dit n'a regarder si on pas bon résultat n'a pas bravo, si on pas bon résultat tout, c'est nous en premier qui pas demander de pas yo. Selon ancien parlementaire, gouvernement Ariel Henry pas capoté aucune solution à problème insécurité qui a augmenté dans le pays de jour en jour. Peut-être ça, Maurice Jean-Charles annoncé un mouvement levé campé 22 d'août qui a venu là dans tout le pays pour continuer à demander départ PM Ariel Henry. En 2023, même Jean Escavio dans nos pays ont levé campé, ont fait soulèvement. Nous-mêmes, nous demandons aux Haïtiens de faire un soulèvement 22 août. 2023, ancien sénateur Noah Moïse Jean-Charles fait qu'on est la fait mouvement ça 22 août c'est pour le pas boycotter ouverti l'école là et puis empêcher classe moyenne là victime. M'a vle mouvement arriver dans époque l'école pas ouvert là. Deuxièmement, faut tout mouvement fait pour pas affecter mon classe moyenne même si qu'on affecte mon classe moyenne. Mais même temps tout est-ce qu'on arrêter? Faut que connaisse ça passe là oui. L'idée petite de Saline Moïse Jean-Charles fait déclaration ça yo 9 août 2023 dans moment il était venu participer dans lancement deuxième édition festival volleyball Jacques Joachin de gymnase au Cap là. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Et puis l'autre point d'actualité concernant pays d'Haïti habitants différents quartiers. Mesdames et messieurs, Haïtien gen yon mani pour yon capable livrer des batailles si nous capable reler comme ça. Nan date ki historique 22 d'août a marqué soulèvement général des esclaves mesdames et messieurs côté diverses chancans diverses plantations blanc diverses cailles étaient arrivées disparaître en bas du feu tellement esclaves eux même yoté en colère. Et mais 22 d'août, nous tendez, Moïse Jean-Charles, leader parti politique plateforme Petite Dessalines, annoncé manifestation. Qui ça qui pral gagner, qui modèle soulèvement qui pral gagner, et Moïse Jean-Charles qui accordé ensemble avec yon force militaire, c'est quelque chose que jusqu'à présent, nous pas capables d'imaginer. En tout cas, n'a suivre qui j'ai situation lui-même a gagné pour dérouler. Si dans zone métropolitaine de Port-au-Prince, relé en moins secours à cause négamé cap tiré gros coup de zam automatique chaque jour, ça qui empêche au dormi. Détail avec Wena Toussaint depuis capitale haïtienne de Port-au-Prince. Phénomène kidnapping à insécurité a continué by population haïtienne gros qu'est sauté.
habitant différents quartiers et zones adjacentes Port-au-Prince, plus précisément Tossel, Rivière-Mitchell, Karadé et quelques quartiers qui situés dans le périmètre d'ambassade américaine, tabac, rafale coup de zame automatique empêchés de dormir depuis plusieurs semaines. D'après quelques résidents qui pavlaient parler dans la presse à cause sécurité, fait qu'on est ces gangs crasés barrières qui prend terrain pour accéder à Kafoufleyo, Gérald Bataille et Maïgaté, qui à quelques mètres aéroport international tout seul ouverture. Tout Zak Sayo a répété un babab la police, un pimoun kwen qui paraît un tijan impuissant par rapport à dimension zam, équipement et munitions qui en possession bandi yo. Citoyen yo qui peut parler à cause la vie yo, yo dit qu'il est en danger, expliquer ces forces multinationales y attendent pour venir aider yo, mettre tout bandi hors d'état de nuire pour la paix et sécurité capable rétablir sous toute étendue territoire national. Pendant ce temps, Dr Samson Marseille, qui est directeur épidémiologie, laboratoire à recherche dans le ministère de santé publique et population, toujours en bas main, ravi Seyo, bandit et kidnappé le 27 juillet 2023. Famille et collègues Lio mandé libération sans perdre du temps, si tout gain information qui fait quoi, l'État blessé, dans le moment, nek amio tap en ville. Pierre lui au pont tout, toujours en bas main, kidnappé yo. Nek amé te kidnappé le mardi 20 juin 2023. Famille, spécialement madame Li, journaliste Marie-Lucie Bonhomme, continue à exiger libération. Wena Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et sous question troupes étrangères, il y a un correspondant diplomatique VOA, Cindy Sen, qui parlait avec responsable placé centre stratégique pour études internationales, là, George Foriol, sous plan pour Kenya prendre tête une force multinationale pour aider Haïti gérer question gangue. Lydi, c'était une surprise. The challenge I think that both Kenyans, the Kenyans have, as well as from the Haitian perspective, is to transition this to something more ambitious. Pour Kenya, et puis aussi nous considérer perspective Haïti, c'est pour faire transition à un bagage qui plus ambitieux qui atteint objectif là. Là, nous parler de Zak violence gang yo en Haïti, nous pas de sous-estimer le fait que capitale là paralysée, il pas fonctionné encore. Et puis fort frontière à République Dominicaine, c'est gang qui contrôlait. Donc c'est pas seulement opérations policières. Faut qu'ils aient bien réfléchi par rapport avec support logistique, renseignement, technologie perfectionnée que pays tant que États-Unis, Canada et l'autre capable de fournir. Donc, c'était une surprise, mais m'apprendre pour Kounia parce que c'est une bonne surprise. Au moins, ça avance la discussion de qui est-ce qui peut le faire. Kounia, que nous gagnons quelques pays qui sont d'accord pour participer, Kenya et probablement Jamaïque, faut que nous élargissions le plan et puis passer dans la phase opérationnelle, Kounia. Let's sort of expand that and move into the more operational phase of how to make this happen. Donc, c'était Georges Foriol qui était parlé à correspondant diplomatique VOA Cindy Sen sous Zoom. Et puis, Haïti Justice en pile technicalité dans le dossier invitation Premier ministre Ariel Henry pour lui répondre question juge d'instruction sous enquête et l'homme mort assassinat Jovenel Moïse. Massa Douville, depuis Port-au-Prince. Débat continue à dérouler sous possibilité qui gagne pour Premier ministre Ariel Henry de comparaître devant juge instructeur Walter Wissé-Voltaire qui a mené enquête sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse là à titre témoin. Maître Eugène Pierre-Louis, qui est tout professeur dans l'Université d'État haïtien, dit Premier ministre a gagné intérêt pour y aller répondre à la question juge là sous dossier ça. Premier ministre là lui-même en tant que tel, et non le cité trop dans le dossier, il doit famille ça. Li dwe tèt li sa, li dwe peyi a sa, kom moun kap dirije peyi a, li pa ka dirije peyi a pou kon la suspicion sou dol kon sa, non krim osi grav, l'assassinat d'un président ki mèm nou mèl, aval mouri ki ke pa get a installé, do si non la psite nan dosye sa, e yab de li bagay osi grav sou li, e publikman, e se otorite mèm ki nan la justice ke ki mette lan koz, et dans le dossier. Donc, les gens ont tiré au nom de respect pour le pays, pour la nation, pour la tête, pour la famille, pour l'international qui a gardé nous, pour la devant un juge, pour la dire ça le connaît des dossiers. Les gens ont une obligation morale pour le faire envers la nation, envers lui-même.
Cependant, M. Pierre-Louis Eugène, yon nan avocat qui sous dossier ça, dit la loi prévoit qui jan pour yon refonctionner l'État paraît devant un juge estricté. Il y a l'article 398 et suivant. Loi ça n'a pas empêché le Premier ministre là aller devant le juge là, s'il voulait, volontairement. Sauf que, en tant que juriste, moi-même, il y a des aspects qui, c'est le Premier ministre, c'est celle lui-même qui est en tête l'État, je dis, hein, pas un président. Donc, s'il prend devant le juge là, bon arrangement, bon considération pour faire, bon, crête que juge la qui a arrêté, le gars qui t'a souhaité, juge la qui a mis le premier ministre là, font gros bruit dans le pays, etc. Juge la pas fait comme ça. Juge la son juge responsable. Même là, qu'elle t'a eu une charge. M'a dit ça, non, m'a dit qu'une charge, non. M'a dit même là, elle t'a eu une charge suffisante pour le t'a dit, ah, premier ministre là. Juge la bonne possibilité, l'oral devant, ou qu'a pas sorti, ou qu'a sorti. Mais lui-même, lui, ils sont hommes d'État. Ils sont juges qui vont rendre, il doit avoir un premier ministre qui cap dirige un pays, pas un président. C'est celle-là même qui n'a tête pays, même si je dis c'est de facto. Et maintenant, pour le temps mettre, pour le temps dire, mais le premier ministre, bon, empêchement, là, on peut pas tourner la carrière. Il n'y a pas besoin de faire comme ça. Et parce que les responsables, là, toujours qu'on est premier ministre, là, après, à la disposition de la justice, si il y a matière pour ça. Donc, premier devoir, premier ministre, là, c'est faire avocat à l'oreille juge, là, pour le faire un arrangement, et puis pour le premier ministre, là, comparer. Si je me déconseille le premier ministre, là, et ça me tape faire. N'a pas rappelé, c'est pas la première fois, non, premier ministre Ariel Henry a cité dans la mort ancien chef de l'État. Dans l'année 2021 passée, ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, Belford Claude, était déjà interpellé premier ministre et mettait une interdiction de pas contre lui. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme, pour VOA Créole. Et ça va gagner temps pour le ministre Ariel Henry te dit que les mêmes gouvernements là fait tout ça le capable pour président qui mourra joindre justice. Nous parlons qu'on est en Australie tant qu'on te promet nous avec envoyé spécial nous Valérie Salut mes amis qui pourra parler nous de compas qui en Australie plus précisément dans Sydney. On a loué ça. Là nous dans Sydney, ou grande ville en Australie. Eh bien, à Souéa, nous là, parce que nous avons rendez-vous avec Compas Direct. Oui, nous avons rendez-vous avec Musique Haïtienne, parce que derrière nous, là, son club, Rouge Night Club. Quand on est dans le club, ça, il semblerait que mon DJ, qui pas même un DJ garçon, son DJ femme, qui lui-même a une passion pour Musique Haïtienne, c'est Compas Direct qui joue dedans. Il fait nous connaître à Souéa, c'est Compas Night. Donc, nous avons une nouvelle là, et pour nous jouer dans nos oreilles, nous dit, mais non, VOA Créole, nous là, c'est vrai, pour nous couvrir, eh bien, Coupe du Monde, là. Pendant que nous avons fait un reportage sur le football, eh bien, à côté du football, là, mes amis, Compas Direct, là, c'est pas nous. Donc, nous devons garder ça en dehors. Pour qui ça, bon DJ, qui décide, dans la ville de Sydney, dans le pays Australie, c'est Compas Direct qui joue. On a regardé. My name is Susan or Suzy. My DJ name is DJ Moussaï. Non, moi c'est Suzy, non DJ moi c'est DJ Moussaï. Moi c'est au promoteur tout, moi manage artiste haïtien ça qui est les Jacques à la mode. Moi après monde dans ses compas, par exemple le monde qui enseigne compas, et ben moi-même moi c'est Onayo. Ambiance compas était belle, étranger à danser compas, nous même comme haïtien, nous était obligé de poser deux pas. Compas Goyard remixes is what's caught people's attention. Style remix Compas Goyard là, c'est style musique ça qui a attiré attention à pile monde. A track that's been remixed. Il y a plus de musique compas qui remix, c'est ça qui attire l'attention. Mais au fur et à mesure, on a essayé de jouer style musique compas authentique de groupe Haïti au plus haut joué ici dans le pays Australie. Au fur et à mesure, on a joué plus musique compas. Mais si on est capable de gagner un festival compas, c'est extraordinaire. Mais si on est joué plus haïtien bon ici là qui est intéressé, ça va encourager nous jouer plus compas. Pendant la soirée compas, on a déroulé, on a profité de quelques monde qui savent qu'on est de musique haïtienne et qui jazz haïtien qui connaît. Je connais le compas, mais je ne connais pas les artistes. Ah, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que ça vous dit, T-Vice par exemple? Non, je ne connais pas. Il y a Tabou Combo et Tabou Combo. Non, je connais pas non plus. Vous connaissez le compas? On connaît un peu, on danse un peu, mais on n'est pas des professionnels quoi. Voilà. C'est pas grave. Alors dites-nous quel groupe compas que vous connaissez. Hey, attends, groupe compas. Ça vous dit quoi Tabou Combo? Ok, ça vous dit quoi Harmonique? Je sais pas les noms en fait. Ok, on y va pour les plus jeunes. Karimi? Ah bah Karimi, ouais. Bah oui, Karimi, ah, ouais. Sans souple à la cachette. Ghetto. Bang, bang, Lucky Luke. Alors, quand même, ça c'est le, mais c'est le mainstream, c'est le gros quand même. Et après ça, nous t'es parlé ensemble avec Lily, qui sont Guadeloupéennes, et lui-même c'est promoteur soirée qu'on passe à, qu'a fait dans ville Sydney, dans le pays Australie. Ça fait 8 ans que je suis ici, et moi et mon business partner, en fait, vraiment, on a le mal du pays. Et on s'est dit, bon ben, il faudrait qu'on recrée un peu...
ce qu'on a à la maison en Australie, pour ceux qui justement sont expatriés et aussi pour faire découvrir en fait notre culture aux Australiens. Et ça se fait chaque week-end? Donc maintenant, ouais, ça va être tous les samedis. Quel groupe ou quel artiste compas que vous connaissez qui est populaire ici en Australie? En Australie, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient très populaires. Alors moi, je suis très mauvaise avec les noms, mais je connais toutes les chansons. Qu'est-ce que ça te dit, Tabou Combo? Ah oui, bah oui, bien sûr. Oui. Et Karimi? Ah, okay, voilà, c'est ça, c'est celui que je cherchais. Ah oui, mais Karimi, en Guadeloupe, c'est très gros. Et ici, en fait, bizarrement, en fait, il y a beaucoup de gens qui connaissent, même s'ils sont pas d'Haïti. Alors je sais pas, je pense que la communauté haïtienne fait bien son travail. Ah. Parce que il y a beaucoup de gens, même qui sont pas d'Haïti, qui connaissent Karimi. Vous connaissez New Look? Ah, ça me dit quelque chose, oui. Je pense que je dois connaître la chanson, mais peut-être pas le... Arlie la rivière, New Look. Ah oui. Il y a le groupe Class aussi. Non, ça, je ne connais pas le groupe Class, non. Il y a un groupe Zafem qui fait Fureur. Ah ouais? Vous ne connaissez pas? Non. Pas encore? Non, pas encore. Zafem pas encore en Australie? Non. Soirée compas dans Sydney, Australie. Soirée a fait finir un peu tard, mais quand même, l'été intéressant pour être compas musique, compas direct, là, musique haïtienne, compas direct, là, bien vivant dans le pays Australie. Soirée, ça me parle, Sydney, ouais. Les bandes rendent moi gentil Junior Augustin qui t'a dansé. Gentil t'a bien fait, en tout cas. C'est ton plaisir. Valerio, c'est lui. Gentil Junior Augustin, depuis Sydney, Australie, pour VOA Créole. Valerio, seulement gentil. Mes amis, je vais me quitter nous avec l'autre envoyé spécial, nous, gentil Augustin Junior. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est l'arrivée des bouts dans le journal là pour aujourd'hui. Rendez-vous cassé demain, si Dieu veut, à même l'heure. Pour prochaine sortie, d'ici là, restez baignés, protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.